Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un masque capillaire maison. Donc vous aurez besoin d'un bol, d'une cuillère à soupe et d'une fourchette. On passe maintenant à la réalisation. Il vous faudra de l'huile d'olive ou de colza comme j'en ai pris. Bio ou pas, ça n'a aucune importance. Selon la longueur de vos cheveux, vous pouvez prendre une ou deux cuillères à soupe. Moi j'en prends deux puisqu'ils sont très très longs. On passe maintenant au deuxième ingrédient qui est un yaourt, donc vous n'êtes pas obligé de prendre la marque Activia, je ne fais absolument pas de pub, mais vous prenez tout simplement un yaourt nature. Alors je viens de voir qu'on voyait le gilet de mon frère juste derrière, je suis désolée, j'avais vraiment pas vu ça quand je filmais. En avant-dernier ingrédient, on a ici le miel. Alors n'importe quel miel peut être pris. Il sera de toute façon bénéfique pour les cheveux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à vous de doser une cuillère à soupe si vous avez des cheveux courts et deux cuillères si vous avez les cheveux longs, voire très longs. On passe maintenant au dernier ingrédient qui est l'amande douce de chez Florescence. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout parce que cet ingrédient est complètement facultatif. Il ne fait que rajouter un complément par rapport à l'huile d'olive ou de colza. Alors si vous n'en avez pas, sachez qu'on peut vraiment faire le masque sans, il n'y a pas de souci. Une fois tous les ingrédients mis dans le bol, on mélange jusqu'à obtenir un masque homogène. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que je n'ai pas mis d'œuf. Et bien tout simplement parce que la dernière fois j'en ai mis, mon crâne a trop chauffé et ça m'a vraiment fait une omelette sur la gueule. Donc voilà, j'avais des petits bouts d'omelette. Donc depuis je ne le fais plus. Alors ce que je vous conseille surtout c'est de mettre des vêtements que vous n'utilisez plus parce que ce masque tâche. Alors je vous conseille de faire ça dans la salle de bain parce que vous verrez que j'aurais fait plein de tâches et j'aurais vraiment tout dégueulassé. Alors maintenant on va juste démêler les cheveux pour que le masque pénètre bien au cœur de la fibre du cheveu. Alors voilà, une fois les cheveux bien démêlés, on va pouvoir commencer à appliquer le masque. Alors vous pouvez voir que moi ici je le fais à la main, mais vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, vous pouvez prendre des gants ou comme vous voulez, c'est vraiment ma méthode à moi. Vous pouvez voir aussi que je n'ai pas mes bagues et c'est fait exprès. D'ailleurs, voilà, j'enlève ma boucle d'oreille. Évitez de porter des bijoux parce que sinon il y a tout vraiment qui va dedans et c'est pas super. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de masques dans le bol, mais n'ayez surtout pas peur d'en mettre trop, parce que vous verrez qu'il vous en restera, et faut surtout pas en mettre sur les racines, sinon ça va vous graisser les cheveux. Alors comme vous pouvez voir, je m'acharne encore sur mes cheveux parce qu'il en reste encore plein dans le bol comme je le montre.
Et pourtant, j'avais pas vraiment fait beaucoup de solutions, donc n'ayez pas peur d'en mettre plein, plein, plein. Et voilà le résultat tout sale. Je commence maintenant à me faire des petites couettes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des petites couettes à la Miley Cyrus. Donc voilà, c'est pas compliqué, vous enroulez juste les pointes autour d'elles-mêmes, vous pouvez prendre un chouchou ou pas, c'est comme vous voulez, vous verrez que pour la deuxième, je le fais simplement tenir tout seul avec la longueur de mes cheveux. Petit coup de fouet dans les yeux, c'est super. Maintenant qu'on a fini d'enrouler ses couettes, on peut attendre 15 à 20 minutes. Putain, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai laissé ça au montage. Il est maintenant l'heure de rincer. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, ici on dénoue juste les couettes. Une fois qu'on a enlevé les couettes, on va pouvoir aller rincer tout ça. Alors moi je vais prendre ma douche, donc je vais juste vous montrer les shampoings et après-shampoings que j'utilise. Une fois les cheveux rincés, pour les nourrir encore plus, j'applique mon huile Elsève. Et pour finir en beauté, j'applique le sérum de chez Elsève également. Alors moi je sais pas pourquoi je fais ça, mais je secoue toujours le tout après. Alors bien sûr, il existe plusieurs variantes concernant les masques, mais je vous ai présenté celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner à ma chaîne.